Salut à vous les moches, j'espère que vous allez bien, que vous avez su profiter de ces 15 jours de vacances pour vous ressourcer, que vous êtes en forme, que vous allez bien, que votre famille se porte bien, que vous avez su éviter le virus comme il se doit pour être en forme. Et normalement, si tout se passe bien, vous devriez comme moi avoir pris 40 kilos par paupière en cette période de confinement. Selon les dernières nouvelles, on devrait se retrouver dans pas trop longtemps, normalement le 18 mai pour une partie d'entre vous, là on sait absolument pas hein, comment c'est fait, mais on va découvrir ça tranquillement, notamment peut-être ce soir avec une dernière allocution encore de notre ministre qui va nous expliquer tout ça. Bref, on tient bon, on est tout prêt de se retrouver, et vous allez pouvoir voir en vrai ce gros visage rougeau et sanguin. Hein? Voilà, moi j'ai hâte de retrouver aussi vos visages en diagonale. Sur ces petites politesses, j'en profite donc pour enchaîner directement avec la continuité de ce qu'on a fait avant les vacances. On avait entamé notre séquence sur l'autoportrait, sur l'autobiographie, avec l'extrait de Montaigne qu'on avait travaillé ensemble, sur lequel vous avez déjà vous-même pas mal bossé en répondant aux questions qui étaient posées. Il me reste une dernière petite chose à faire, à savoir la partie débat qui apparaît sur votre polycopier tout en bas. C'est du tout petit encadré, tout petit, tout discret, mais qui m'intéresse puisque ça nous permet de mettre un peu le pied à l'étrier sur le texte argumentatif que vous aurez le jour du brevet. Plus de brevet, mais bon, c'est pas grave, et on vous entraîne comme si c'était le cas. L'idée, en tout cas, c'est toujours aussi de pouvoir vous préparer au lycée, puisque vous allez devoir certainement, un moment, devoir développer vos idées, vos argumentaires, et savoir de quelle façon on s'y prend, quelle est la méthode à appliquer, et rien de tel que l'entraînement, évidemment, pour se plier à cet exercice. La question qui vous est demandée, c'est: pensez-vous qu'il est intéressant et ou utile de se raconter aux autres? Autrement dit, à travers ce qu'on a pu déjà élaborer comme réflexion avec ce texte de Montaigne, est-ce que le fait de parler de soi peut avoir une utilité quelconque pour quelqu'un qui voudrait vous lire? Est-ce que écrire ses pensées, écrire son autobiographie peut avoir un quelconque intérêt? Est-ce que notre vie à nous, qui du coup se caractérise par son unicité, par son aspect unique, peut avoir un écho dans la vie de quelqu'un d'autre ou un intérêt pour quelqu'un d'autre? Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, que ce soit oui ou non. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de choisir l'un des deux. Je ne vous demande pas pour l'instant de faire le vrai texte argumentatif où il faut répondre et oui et non. Je vais vous demander de choisir l'un des deux, celui qui vous parle le plus, et de développer cette pensée. Pour cela, je vais vous demander trois arguments. Donc, soit vous prenez la thèse du oui, soit la thèse du non, et une fois que vous avez donc choisi cette thèse, vous devez avoir trois arguments. Un argument, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui répond à la question pourquoi. Autrement dit, oui, parce que. Eh bien, comme il y en a trois, oui, parce que, hein, il m'en faut trois. Il faut développer ça. Une fois que vous avez développé votre pensée, vous m'expliquez pourquoi. Alors, imaginons, si le sujet n'avait pas été, est-ce que c'est utile de se raconter aux autres, mais est-ce que l'Internet est un fléau ou au contraire une bénédiction pour l'humanité? Si vous avez choisi que oui, vous me dites oui, parce que, par exemple, cela permet de développer les liens sociaux et de conserver un petit contact avec les gens qui sont loin, notamment dans une période de confinement, lorsqu'un virus est en train d'éradiquer l'humanité, par exemple, ça permet de garder un peu de contact avec l'extérieur, c'est un argument. Une fois que vous avez vos trois arguments, donc soit pour le oui, soit pour le non, toujours sur cette fameuse question du est-ce que c'est utile ou pas de raconter sa propre vie, est-ce que ça a une utilité, je vais vous demander d'apporter des exemples à vos arguments. Vous m'avez donc dit oui pourquoi, oui, enfin, oui parce que, oui parce que, oui parce que, mais à chaque fois, dans vos trois petits paragraphes, vous devez me citer des exemples concrets. Comment fait-on pour amener un exemple? Alors là, c'est formidable, puisque tout ce que vous avez appris dans votre vie peut être utilisé. Vous avez le droit à tous les types d'exemples. Que ce soit des choses qu'on aurait vues en classe. Donc n'importe quelle matière, que ce soit en art plastique, même en technologie, en SVT, tout ce que vous voulez, tout ce qui peut montrer que raconter, parler de soi peut avoir un intérêt, vous pouvez l'utiliser pour le prouver. Toujours sur mon exemple d'Internet, vous pourriez très bien dire, je prends au hasard, par exemple, dans cette période compliquée de confinement, Internet est vraiment très utile, notamment pour conserver une certaine continuité pédagogique et pas se retrouver totalement décérébré en panique le 18 mai lorsque j'ai retrouvé la grossette de M. Wins qui va me demander si j'ai bossé, par exemple. Donc ça, ce sont les exemples. Ça me permet, avec ce petit exercice qui doit vous prendre, allez, je vais prendre large, je pense à ceux qui ont des pieds à la place des mains et qui écrivent comme des patates, Firmin, je pense à toi, 40 minutes. En 40 minutes, on est bien, le temps de réfléchir, de trouver des arguments, de vous lancer, de développer. Vous avez le droit à un ou deux exemples par argument avancé. Donc, je le répète, vous avez choisi une thèse, oui ou non. Vous avez pris trois arguments
et pour chacun de vos arguments, vous avez le droit de citer un ou deux exemples une fois que vous avez développé votre argument. Ça vous paraît un peu confus, on se dit « Ouh là là, je reviens directement de la rédaction pour cette première journée sur un mardi qui commence comme ça, je suis pas chaud. » Si, franchement, c'est confort, parce que cette fois-ci, vous pouvez parler de vous, vous êtes libre, vous n'êtes pas noté sur ce que vous m'écrivez là. Toutefois, j'aimerais bien, si c'est possible, pouvoir lire ce que vous avez écrit. Je vous invite donc à m'envoyer vos écrits par internet à l'adresse suivante www.eens@gmail.com. Autrement dit, première lettre de mon prénom et mon nom de famille, pour ceux qui n'ont pas encore percuté, @gmail.com. Et moi, ça me permet de jeter un petit coup d'œil. C'est pas noté, mais ça me permet de savoir si vous avez récupéré la totalité de vos facultés intellectuelles ou si ces 15 jours d'œufs de Pâques, de chocolat, de champagne, de bière et Ricard ont totalement éradiqué la moindre petite étincelle d'intelligence qui brillait dans vos yeux. Ou la lueur, en tout cas. Pour argumenter toujours ça. Dans mon exemple, toujours sur le débat, l'argument, on en parle, j'ai mis à votre disposition sur le site internet ce papier. Attention, effet spécial, on ne se refuse rien. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Alors, ceux qui ont la malchance d'être avec moi en atelier pédagogique au Collège d'Arles, vous connaissez cette feuille, ça porte sur le sujet de réflexion et ça vous explique comment faire ça. Normalement, j'aurais dû, si tout s'était bien passé dans le meilleur des mondes, pouvoir vous le dire en face, en vous postillonnant dessus. Allez, bien sûr, je pense à tout mon premier rang qui, à chaque fois, enfin bref, hein, toujours, qui souffre. J'aurais pu le faire avec plaisir et vous expliquer ça en détail. Là, du coup, on va le faire un peu à distance. C'est pas bien grave, ça vous laisse le temps calmement chez vous, posément, de lire ce polycopier, d'essayer de le comprendre, c'est l'intérêt des textes, et de faire en sorte de l'assimiler, ce serait encore mieux. Qu'est-ce qu'il nous raconte ce petit sujet de réflexion? Eh bien, il vous explique quelle est la méthodologie à appliquer pour réussir son texte argumentatif. Ce qu'il faut faire avant tout, c'est une belle introduction, avec trois parties qui vous sont expliquées, on présente le thème, on reformule finalement la question qui est posée dans le sujet, la problématique, qui est souvent une question, c'est-à-dire, oui d'accord, j'ai bien compris ce que ce sujet, c'était ça, mais cela soulève cette question-ci, ce problème-ci, est-ce qu'on ne pourrait pas se demander si, ou pourquoi est-ce que, etc., etc. Et enfin, l'annonce du plan, qui est un plan en deux parties, puisque vous n'êtes pas encore en train de faire un plan dialectique, ça vous ferait ça au lycée, mais pour l'instant, vous avez un plan en deux parties, qui globalement, par rapport à la question posée, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Il faut que vous soyez capable d'être les deux. Autrement dit, vous devez être capable aussi de vous faire l'avocat du diable et de défendre des arguments en lesquels vous ne croyez pas. Généralement, c'est ce qu'il faut faire en premier pour garder ses convictions dans la deuxième partie. Est-ce qu'on commence par oui ou par non? Commencez par ce en quoi vous ne croyez pas, puis, en dernière partie, prenez la réponse en laquelle vous croyez. Vous verrez que vos arguments vous viennent mieux et que vous serez d'autant plus convaincant. Et moi, je vais arrêter de bégayer, ce serait pas mal. Une fois qu'on a fait son plan, on arrive sur le développement. Et c'est justement une partie du développement que je vous demande de faire pour la question qui est posée aujourd'hui sur l'utilité ou non d'une autobiographie. Donc juste une petite partie du développement, à savoir je ne vous demande pas de me faire le oui et le non, je le répète, juste soit oui, soit non, et vous me développez ça. Dans le polycopier que je vous ai donné, sur celui-ci, la question qui est posée porte à chaque fois sur la télévision. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Pensez-vous que la télévision occupe une place trop importante dans nos vies, trop ou pas assez? On peut penser que oui, trop importante, ou non, parce que justement c'est très utile dans la vie de tous les jours. On peut remplacer télévision par internet, c'est ce que j'expliquais justement à ceux qui étaient en atelier avec moi. Ce serait peut-être un peu plus moderne et ça vous parlerait davantage. La question reste la même. Il y a à chaque fois, pour toute bonne invention, un revers à la médaille. Toujours quelque chose de positif, mais généralement il n'y a pas de lumière sans ombre. Si quelque chose est très bien, c'est qu'il y a quelque chose de compliqué qui va avec. Ça ne peut jamais être sans aucun souci, vous verrez. Jamais. Ça c'est une leçon de la vie. Que vous apprenez fortement en ce moment d'ailleurs. Au dos donc, je vous donne des exemples de développement possible et vous remarquez que le développement c'est toujours trois paragraphes, c'est-à-dire trois arguments. Là, même chose, vous avez pour la question d'aujourd'hui travaillé sur trois arguments. Ici, c'est pareil, dans ce que je vous dis, trois arguments par thèse. La thèse du oui, la thèse du non, la thèse du je suis d'accord, la thèse du je suis pas d'accord. Et dans vos trois arguments, lorsque vous développez vos arguments, après les avoir développés, vous intégrez des exemples, en utilisant des connecteurs logiques, c'est-à-dire les petits mots de liaison, ainsi, ensuite, par la suite, enfin, etc. De plus, tous ces petits mots qui vous permettent de créer un lien logique dans les enchaînements de paragraphes pour éviter d'avoir un texte qui est absolument imbuvable. Un peu comme le cours que je suis en train de faire en ce moment, je suis désolé, je suis pas chaud, là je m'en mets un peu dedans et
Je m'ennuie moi-même, mais on s'accroche, je sais que, hein, on est bon. On est sur un petit mardi, on est pas mal. C'est que le début. Le développement donc de la thèse, trois parties à chaque fois, trois arguments, oui, non, et exemple intégré. Puis je vous explique la conclusion qui doit résumer en quelques lignes votre point de vue. Je ne m'attarde pas davantage sur ce polycopier parce que j'aimerais le faire avec vous en live, de vive voix, pour reprendre ce que vous n'auriez pas compris. Et je pense que le plus efficace aussi pour vous, c'est de le lire calmement, posément, et de comprendre cette structure-là. Une fois que vous êtes au point avec ça, que vous l'avez lu, que vous l'avez compris, je vous demande donc, je le répète, le seul petit exercice d'aujourd'hui, c'est un petit texte que je vous demande d'écrire. Il ne faut pas que l'ensemble, alors je vous ai dit 40 minutes pour réfléchir sur le débat, oui, 40 minutes, 20 minutes de lecture du texte, voire une petite demi-heure, si on pousse un peu, si on prend le temps. Normalement, en 1 heure 10, vous devriez avoir terminé ce que je demande pour aujourd'hui, et on ne se revoit pas avant jeudi, donc vous avez le temps. Vous me choisissez une thèse. Oui, l'autobiographie est utile. Non, l'autobiographie n'est pas utile. Plutôt, intéressant ou utile de se raconter aux autres. Non, c'est pas intéressant ou utile de se raconter aux autres. Quand je parle d'autobiographie, comprenez bien que cette question peut être prise au sens large. Je vous dis bien, raconter sa vie. Raconter sa vie, ce n'est pas forcément écrire un livre, hein. Il y a énormément de moyens en ce moment de raconter sa vie, dont vous êtes d'ailleurs plus au fait que moi. Vous n'arrêtez pas en ce moment, j'imagine, de tweeter, d'envoyer des petits trucs sur Messenger, de raconter votre vie sur Facebook. Ma question c'est, est-ce utile d'apprendre que, je sais pas moi, que par exemple Nicolas a mangé un cookie, hein? Est-ce que ça nécessitait que Nicolas nous fasse une page et demie sur Facebook pour nous raconter ça? Alors, Facebook. Ah, tiens, 8h58. Élise a mangé du saucisson de poney. Génial. Je vous parlais donc des réseaux sociaux. Parmi les réseaux sociaux, donc Twitter, machin, etc. Est-ce que c'est utile? Est-ce que vous voyez une utilité à ça? Est-ce que tout est toujours futile? Alors, Damien, ah ouais, dit comme ça, c'est sûr que ça n'envoie pas du rêve. Pour autant, est-ce que d'un autre côté, le fait de se tenir ainsi au courant de personnes dont on n'a pas de nouvelles depuis longtemps. Est-ce que finalement, en vous parlant un peu de moi, je ne vous parle pas un peu de vous, citation Victor Hugo que j'arrête pas de vous donner, tous ces petits éléments, toutes ces pistes de réflexion, mises ensemble, mises bout à bout, doivent vous permettre de choisir un camp. Le camp du oui, le camp du non, et donc trois développements avec des exemples, à chaque fois pour étayer un peu tout ça. En termes de lignes, une vingtaine de lignes, voilà, même un peu moins, 15 lignes c'est bien. Tant que vous avez des arguments, tout dépend de l'écriture, évidemment. Quand vous êtes comme Hugo, que vous écrivez en diagonale et que vous faites des lettres qui font cette taille-là, vous faites ça en 75 lignes, mais sinon, pour le reste, a priori, tout se passe bien. On se revoit donc jeudi. J'en ai terminé pour cette vidéo interminable. Je suis désolé, hein, avant tout, parce que je suis pas bon, là. Je le vois, je suis pas bon, mais ça va aller de mieux en mieux, le temps de relancer un peu la machine. Puis surtout, je vous me manquais, hein, on est tout seul, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça, mon métier, normalement. Ceci étant dit, je pense bien à vous, on garde le moral, on se retrouve bientôt. Résistance. Alors, Facebook. Hugo, 17h15. La vie, c'est comme un tracteur. Ça roule.